Un chantier école, c'est une fouille programmée qui a pour mission, en dehors de sa mission scientifique, donc d'acquisition de données et d'ouverture de problématiques, c'est donc un chantier qui a pour vocation première d'accueillir des étudiants en formation. Et ici, donc, nous sommes chantier école de l'Université de Montpellier. Ce qu'on vise ici surtout, c'est au-delà de l'apprentissage vraiment archéologique, c'est leur montrer ce que c'est vraiment le travail. Parce qu'on se lève très tôt, il y a des horaires difficiles, il fait très chaud, c'est des conditions de travail assez éprouvantes. Et en fait, pour beaucoup d'entre eux, c'est une première expérience de vie active, d'un vrai travail difficile, physique. Et au-delà de l'archéologie, c'est aussi pour leur montrer que les données archéologiques ou les données historiques qu'on va leur présenter dans des livres ou dans des cours, c'est issu d'un travail manuel. Et on insiste bien là-dessus, c'est avant tout un travail physique et manuel avant d'être un travail intellectuel. Et c'est donc, s'ils veulent devenir archéologues, on ne peut pas être archéologue ou historien de l'Antiquité, à mes yeux, sans avoir une connaissance approfondie de ce travail manuel et de la difficulté du travail manuel. J'avais 8 ans et la maîtresse à l'école nous avait passé un reportage sur les dinosaures en fait. Donc là j'ai eu le flash. À cette époque-là, le rêve de l'archéologie, c'est tout l'imaginaire qui tourne autour de l'archéologie, les clichés qu'on en a et puis... Au Québec, on suit l'école américaine. Donc, l'archéologie est une sous-discipline de l'anthropologie, puisqu'il y a très peu de documents historiques qui parlent des Amérindiens et tout ça. Donc, comme je voulais m'orienter en archéologie, j'avais pas le choix de passer par l'anthropologie. En classe naturelle, on a fait une sortie géologique, et puis j'ai trouvé mon premier fossile sur une plage de Bretagne. Et je me suis dit que je voulais être paléontologue. Et donc, J'ai commencé les fouilles il y a 15 ans. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je fais l'archéologie. Et... Il y a les rêves, il y a la réalité. Au final, j'ai pas lâché. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé en tant que bénévole sur un chantier à côté de Lunel. Quand il s'agit de piocher, quand il s'agit de porter des boîtes, des seaux, c'est un truc de gars, mais c'est peut-être aussi ce qui me plaisait. Pour l'instant, c'est principalement les fouilles qui ont une influence sur mon quotidien. Par exemple, quand je vois de la poussière sur le sol, je peux pas m'empêcher de la ramasser. Tiens, je vais leur faire balayer à côté. Les gens arrivent ici, notamment les débutants, les tout premiers jours sont terribles. Psychologiquement, ils sont très mal. On les voit, ils sont en limite, partir en courant, se poser des questions sur leur avenir. Et puis passer la première semaine, ils commencent à être très bien. Et puis après, ils se rendent complètement dans le rythme. Et finalement, après, ils partent. Et bon, ils sont à la fois fatigués physiquement, parce que c'est éprouvant, mais ils sont en pleine forme intellectuelle et psychique. Et ils sont très, 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 très contents. Ils sont heureux. On est en train de dégager la terre qui recouvre une fosse. On ne sait pas exactement, mais il y a une canalisation qui conduit à une fosse recouverte de terre, de pierre et de tuiles. Donc on est en train de mettre au jour la surface en pierre. Et possiblement qu'à l'autre extrémité, il y aurait une autre canalisation, mais on n'est pas encore tout à fait rendu là. Donc probablement que ce serait une fosse dans laquelle l'eau était un peu conservée, si on veut, avant de recontinuer plus loin. C'est bien de travailler plusieurs années sur un site, ça permet de voir l'évolution du chantier, les problématiques évoluer, le programme scientifique aussi, voir les nouvelles découvertes. Donc c'est intéressant, c'est un chantier qui est vraiment passionnant, on est en pleine nature, le cadre est vraiment agréable, l'équipe est très sympa, on travaille bien, et donc c'est que du bonheur. Je crois que c'est un métier qui est bon, qui parfois fait rêver, puis quand on se rend un peu plus compte, vous piochez sous 40 degrés au soleil, comme le buraliste d'aspirant là, du village, il me dit mais vous êtes payé cher, j'espère, pour pouvoir piocher, il nous regarde un peu comme des demeurés, donc ouais, non, il y a les deux visions. Nous, on n'a pas la prétention d'être des scientifiques au même titre que les physiciens ou les chimistes ou les biologistes. Mais je pense qu'il faut qu'on reste modeste. L'archéologie n'est pas une science, c'est une discipline de l'histoire et c'est un moyen d'acquisition de données qui vont permettre d'écrire de l'histoire, de faire de l'histoire. Donc il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'interprétations. Et ce qu'on essaye de faire sur le terrain, c'est de se tromper le moins possible parce qu'on fouille des choses très dégradées, des choses à raser, des choses qui ne sont plus en état. Et donc il faut rester très prudent, très modeste.
Et il faut toujours garder à l'esprit que les gens qui ont fait ça, c'était des artisans, des paysans, des agriculteurs. Et il faut essayer de retrouver leurs gestes et se demander pourquoi ils ont fait ces aménagements, pourquoi ils ont fondé les bâtiments de cette façon et pas d'une autre. Et donc voilà, derrière, c'est là où ça devient intéressant. Il y a toute une... ils font pas les choses gratuitement. Tout est clairement pensé. C'est quand même une société qui est extrêmement organisée, méthodique, où la science au quotidien a une grande place. Hein, l'hydraulique, la géométrie, les gens savent compter. Ça, la plupart savent quand même compter. Une partie d'entre eux savent lire et écrire. Mais c'est quand même une. Nous, ce qu'on s'en cache, c'est à comprendre la cohésion de l'ensemble, comment s'organise le site, comment il fonctionnait, pourquoi ils ont fait ces choix, pourquoi ils se sont installés là, pourquoi ils ont choisi cette activité plutôt qu'une autre. Et en fait, on voit au fil du temps que tout est très logique. Ces chantiers, ça permet de rencontrer des gens de divers horizons. Donc voilà, on a des étudiants qui viennent de l'étranger, de toute la France. Donc ça permet d'avoir des brassages, voilà, de discuter. C'est un enrichissement, personnel, quoi. C'est étrange de voir, on parle la même langue, mais en fait, il y a tellement de choses qui varient. Il y a des expressions que des fois, j'arrive pas à comprendre, mais la même chose, pourtant. C'est la même chose au point de vue de la nourriture, c'est complètement différent. C'est une sensibilité, je crois. Je sais pas si c'est l'archéologie qui nous apporte ça ou c'est plutôt cette sensibilité-là qui nous a fait venir à l'archéologie. En fait, c'est par exemple de rentrer dans une église et de s'imaginer tous les gens qui sont passés là avant nous, de regarder les dalles au sol, de voir d'un escalier, de voir à quel point elles sont usées. C'est des petites choses comme ça, de se dire qu'en fait. Ça nous remet un peu à notre place de se dire qu'on n'a rien inventé. Quand on voit que les Romains avaient les tuyaux, ils avaient ces stratégies commerciales, ils avaient énormément de choses, de se rendre compte que ça nous remet à notre place un peu après. Vous guettez les dieux ? C'est ça. Le dieu Éole. En fait, vous prenez des vues, c'est ça des... On prend des photos avec un appareil accroché à un cerf-volant. On essaye de prendre des vues verticales qui nous aideront par la suite à faire des relevés. Ici, c'est l'eau qui conditionne tout. Hein. C'est la facilité d'approvisionnement de la villa en eau courante, en eau de source, puisque la source est à 300 mètres, elle est sur le coteau, elle domine le site. Et donc, ça n'a pas échappé aux gens qui se sont installés ici au tout début du 1er siècle après. Hein. Quintus Iulus Primus est venu ici. La source s'est coulée à l'air libre. Hein. C'est un petit affluent de la rivière d'Ourbi. Et il a vu tout de suite les potentialités. Et il a tout de suite exploité cette source, hein. Il a capté les eaux, il a installé des grandes conduites souterraines en terre cuite avec des bagues en plomb. Et ça a servi à approvisionner le premier établissement avant que son successeur, dans les années 70 après, donc pratiquement 60 ans après, hein, deux générations, lui fasse construire un aqueduc qui aille directement capter les eaux de la source pour alimenter notamment la grande natatio. Alors c'est une grande natatio de 280 mètres carrés, donc sa fonction n'est évidemment pas de permettre à la population du domaine de nager à l'air libre. C'est plus le symbole de la réussite du domaine donc dans les 30 dernières années du 1er siècle après Jésus-Christ. Et nous, on l'interprète aujourd'hui comme un acte d'évergétisme, c'est-à-dire comme un cadeau offert par le propriétaire à la population environnante. On offre à cette population un monument, parce qu'il y avait une grande abside avec des fontaines, et puis également l'eau. L'hydraulique, c'est-à-dire on montre qu'on a la maîtrise de l'eau, on peut faire construire un grand aqueduc de plus de 350 mètres jusqu'à la natatio, alimenter cette natatio en eau fraîche, en eau courante toute l'année, et puis donc permettre à cette population d'accéder à quelque chose qui se trouve seulement en ville dans les grands aménagements publics, dans les grands thermes publics, à savoir une grande piscine à l'air libre. Ça, c'est le propriétaire par là montre à la fois sa puissance et sa générosité. Et donc, il est en position de force par rapport à la population.
ce domaine avait pour vocation première la production de vin. Et donc ça a entraîné évidemment toute une, la production de toute une autre gamme de produits, hein, et notamment les terres cuites architecturales pour la construction, mais surtout les amphores vinaires destinées au commerce du vin et les dolias qui sont ces grandes jarres qui servaient à la vinification, puisqu'ici dans la villa on a 300 dolias qui sont installées. C'est à la fois une villa avec une vocation agricole, mais également un quartier déjà pré-industriel. Ben, je dois avouer que j'étais surprise de voir justement qu'il y avait un vignoble au départ ici, alors qu'il y a 2000 ans, c'était exactement la même chose. Mais... Ma première chose que je fais quand j'arrive sur un site, voilà, je regarde comment ça s'organise, et puis je m'imagine dans ma tête le site, comment il aurait pu l'être à l'époque en fait. Donc je vois, j'ai un peu une vision, c'est d'avoir une vision d'espace avec les gens et tout ça qui passe. Et puis là, le fait d'avoir justement des noms de personnes, c'est encore plus émouvant, parce que voilà, on a vraiment une identité sur les personnes qui vivaient ici, qui travaillaient. Donc oui, ça apporte un plus quand même. Sur ce chantier archéologique, c'est passionnant de se rendre compte qu'on a vraiment les noms, on sait plus ou moins à qui on a affaire. La connaissance de la population de la villa dans les 40 premières années de son existence, c'est le point fort de Saint-Bézard, puisqu'on a la chance d'avoir une vingtaine de noms, dont le nom du propriétaire fondateur de la villa, qui est Quintus Iulius Primus, en italien. Mais on a à ses côtés donc pratiquement une vingtaine de potiers qui timbrent les céramiques, les amphores, les tuiles. Et évidemment, cette population, on s'est livré sur cette population à une enquête onomastique, c'est-à-dire on a enquêté sur l'origine des noms, sur l'origine à la fois ethnique et géographique, et on est arrivé à trouver des liens tout à fait intéressants, et pour certains personnages, à écrire leur histoire, depuis leur départ d'Italie, comme Vitulus qui est à Pouzol, qui est esclave, qui est affranchi par Naevius, qui est son patron, comme nous l'apprennent les timbres sur sigillés produites donc sur place, et qui vient ici en tant qu'homme libre, affranchi. Et il s'appelle Vitulus, et c'est un des principaux producteurs de sigillés ici, ou comme Solaetus, qui est d'abord potier à Barcino, en Espagne, qui produit des grandes amphores vinaires Pasqualin et Dressel de 4, et qui va être débauché par Quintus pour venir travailler ici, produire ses amphores, des copies d'amphores espagnoles qui vont servir à vendre du vin d'aspirant donc dans le Massif central. Donc c'est une captation d'une clientèle qui était sous la domination des marchands espagnols, captation par le propriétaire de ce domaine, de cette population, en vendant du vin local dans des amphores que les gens croyaient être espagnols. Donc il y a des histoires comme ça. On a également Atepo Marus, donc qui est originaire de l'Aveyron. On a Verecundus, on a Masclus, on a Carus, on a Néo, qui est probablement un esclave d'origine orientale ou un affranchi. Donc on a comme ça une vingtaine de noms, capitaux, beaucoup, beaucoup d'autres noms qui ne viennent pas forcément tout de suite à l'esprit. Oriane. Hyacinthe. Alexandra. Juliette. Geneviève. Fabrice. Noël. Laurent. Lise. Mathieu. Claire. Adeline. Anne-Laure. Anaïs. Kim. Anna. Kathleen. Coralie. Jean-Baptiste. Jennifer. Séverine. Thibaut Auriol. Je me dis quelque part qu'en citant leurs noms, en pensant à eux, en travaillant, en mettant au jour toutes ces estampilles, que quelque part on les fait revivre. Et si on se trompe, s'il y a un au-delà, s'il y a quelque chose, ils doivent nous regarder, ils doivent peut-être être, ça les aide peut-être à quelque part à revivre, à être de nouveau dans le présent. Donc c'est ça aussi, c'est émouvant. Ça c'est quelque chose qui nous touche à tous. On ne peut pas faire de l'archéologie rien qu'en restant dans une bibliothèque. Pourquoi ? Parce qu'avant d'écrire les livres, il faut fouiller. Il faut apporter des données nouvelles. Et les données nouvelles, elles sont là, elles sont sur le terrain. Donc l'archéologie, c'est vraiment sur le terrain qu'on l'apprend. Bon, il y a les cours à la fac, mais ça reste évidemment de la théorie. Et quand on passe à la pratique, on voit tout de suite que c'est différent. Et c'est là qu'on se dit vraiment, est-ce que je veux devenir archéologue ou pas ? Quand le terrain sera bien humide dans l'hiver, sera bien gorgé d'eau, on pourra organiser peut-être des retours avec quelques jours de fouilles à une dizaine. Et souvent, c'est là qu'on arrive
à mettre en évidence des choses qu'on ne voit pas l'été, parce que le substrat est très sec et parce qu'il y a aussi la fatigue, l'usure, le manque de recul. Donc c'est l'avantage de la fouille programmée, on peut revenir et on peut réfléchir, tester les hypothèses et donc préparer la prochaine campagne. Mais là dans ce coin-là, il se passe plein de trucs. Hein. Ah oui, là, il y a plein de futurs. On est en limite de champ, on contrôle la rampe. Il y a plein de trucs. On va laisser mûrir. Bah là, je sais pas, moi je suis en train de... Il y a quelque chose. Ouais. Mais après, c'est même sédiment. C'est surtout pour récupérer la vie, peut-être le retour du bâtiment, s'il y a bien un bâtiment. Oui, mais avant ça, s'il y a un retour, c'est là. Mmh. Donc il faut aller fouiller la fosse avant. Non ? Bah dans ce cas-là, si la fosse elle passe dessous, il faudra démonter le bassin, mais Stéphane, il voulait qu'on attende, je sais pas. Comment ? Tu voulais qu'on attende avant de démonter le bassin. C'est pas une science exacte, hein, l'archéologie, on fait des erreurs. Après, le tout, c'est vite de les reconnaître. Et de puis faire le moins de dégâts possible. D'agir en conséquence pour rétablir les choses. Et puis, il faut aussi que les fouilleurs, ils sentent aussi, il ne faut pas qu'il y ait de flottement. C'est-à-dire que ou c'est bien ou c'est mal, mais il ne faut pas donner l'impression qu'on ne sait pas pendant plusieurs jours. Il faut arriver à reconnaître rapidement ses erreurs et à leur dire, bon voilà, là on s'est trompé, on va complètement reprendre le truc. Et... Non, c'est arrêté sur le niveau qu'il y avait. On a fait juste un décalage. D'accord. Parce que là, en surface, t'as quand même vachement petit caillouti. Bah, c'est une gestion d'équipe et c'est une dynamique qu'il faut tout le temps garder, il faut tout le temps avoir une dynamique très, très importante, quoi, parce que sinon l'équipe ne suit pas. Et le rythme est lent et le chantier avance pas. Il faut qu'ils participent vraiment à notre réflexion, c'est pour ça que Charlotte fait un point tous les vendredis. Et puis sur le terrain, on les motive, on leur explique. Des fois, ils considèrent qu'ils font des choses qui ne sont pas très utiles. Et bon, des fois ils comprennent pas, donc quand ils comprennent pas, déjà quand on comprend pas on fouille mal et en plus on se démotive. Ici on fait beaucoup travailler les gens. On les encadre, on a aussi le souci de leur évolution personnelle. On n'est pas une bande de jeunes qui fouillons au rythme qui est donné par le temps ou par les gens les moins rapides. On est très soucieux de leur donner un rythme très élevé parce que dans la vie active, il va falloir qu'ils travaillent et qu'ils se lèvent tôt. Et tous ces jeunes, il va falloir qu'ils se battent, il va falloir qu'ils apprennent un métier, il va falloir qu'ils se forment. Et c'est une compétition. Mais c'est seulement du pragmatisme. C'est les meilleurs qui trouveront... Donc il faut tous qu'ils deviennent meilleurs qu'ils ne sont de toute façon. Voilà, alors ça des fois ça passe mal auprès de certains collègues, mais bon tant pis, on va pas se refaire. Hein.